Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Cyanure948, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve sur, tout simplement, sur les Sims 3, comme vous le voyez. Alors, on va accélérer ça, tout simplement, pour aller un peu plus vite. Alors, je vous reprends sur les Sims 3. J'ai un peu avancé en off, comme je vous avais prévenu, hein. Et vous voyez. Tout simplement, j'ai avancé tellement, tellement vite que je suis devenu tout simplement le patron. Je sais pas si je peux réaméliorer encore ça à fond ou pas, je ne sais pas. On va essayer, hein. En attendant, j'ai un petit chat dans la gorge, là. J'ai une petite chatte dans la gorge, les amis. C'est pas très appréciable. Alors, on va payer les factures déjà. Donc je suis devenu empereur du mal. J'ai réussi mon souhait à long terme, l'empereur du mal, vous voyez. Donc normalement il est réussi. Voilà, j'ai gagné pas mal de trucs. On va voir ce qu'on peut gagner là-dedans. L'autre il est en train de péter un câble là, le mec qui nettoie tous mes trucs. Alors le tricheur est étrangement bon au jeu, non? Alors on va chercher un truc. Évolution des goûts, métabolisme. Alors, on va chercher un truc. On va voir les trucs qui sont chers là. Créateur bon pour un clone. Van avantageux. Alors, c'est quoi ça? Celui qui achète cette récompense reçoit un bon pour un clone. Présentez-le à la Cité des Sciences pour obtenir un jeune clone de votre Sims et l'ajouter à votre foyer. Vous ne pouvez pas acheter cette récompense si votre foyer est plein. Ah ok, c'est pas mal ça. Alors on va voir. Alors attendez. Gestionnaire de collection, on s'en fout. Amitié exceptionnelle, on s'en fout. Réproche. Ah attendez, ça c'est peut-être bien. Un Sims bot rejoint la famille en ayant le statut amitié exceptionnelle avec le Sims qui a choisi ce souhait à long terme. Eh c'est pas mal ça. On va peut-être prendre ça. Les marques d'affection en public sont moins remarquées par les Sims en ville. Alors, propriété. Non. La map, on s'en fout, hein. Acheter cette récompense pour recevoir le. Ah! Le généreux héritage d'un lointain parent, toute coïncidence. Attends. Attendez, putain. Merde. Ah, mince. Alors, coïncidence entre l'achat de cette récompense et le décès de ce parent est purement fortuite, excusez-moi, hein. J'ai un peu galéré. On va peut-être prendre ça finalement, comme ça je pourrais acheter tout simplement, ça se trouve, la maison de nos rêves. Alors la maison de nos rêves, je la achèterai sûrement pas dans cet épisode, parce qu'il faut tout simplement que je l'améliore encore, hein. On n'a pas fini, donc je le ferai sûrement après. Alors hauteur populaire, vieille lampe poussiéreuse, extrêmement créatif, les plus belles toiles sont créées par. Non pas par ceux qui sont seulement créés. Ou alors je prendrai ça et puis on se le fera. On va faire plus d'épisodes comme ça. Alors sommeil, expert en animaux, compteur à zéro. De prendre un nouveau départ dans le domaine des relations amoureuses. On n'avait plus de réputation ni d'ennemis. Non, ça on s'en fout. Hôte parfait, aérolie, crise de la cinquantaine, vous n'aimez pas ce que vous êtes, choisissez de nouveaux traits, non, on s'en fout, carte de star, ici, ça y a une carte de star, peut voir toutes les maisons de célébrités sur la vue plan et devenir leurs invités indésirables, récurrents, débat. Elle est rapide. Apprenez à améliorer les compétences plus vite qu'un lama au galop. Eh, c'est pas mal ça. Alors j'ai 54 000, 54 000. Alors l'autre c'était combien? C'était 45 000, je crois. Hein. Héritage. Non, c'était 30 000. On va le prendre. On va prendre héritage. Alors j'ai gagné. J'ai gagné 30 000. Ouais, donc c'est. Ouais, c'est pas une grosse triche, on va dire. Hein. Héritage. Ah mais est-ce qu'on peut le racheter aussi? Parce que si on peut le racheter, là ça serait quand même peut-être abusé, je ne sais pas. On va voir, on va chercher. On va chercher. Non, non, ça y est plus. Ça n'y est plus. Ah, peut-être que si en fait, hein. C'est peut-être là-dedans. Dans les. Ah si, ça y est encore, vous voyez. Bref, nous ce qu'on veut, c'est.
Élève rapide. Voilà, on va prendre ça. Hop. Élève rapide. Hein. Donc comme ça, on va apprendre plus vite. On va pouvoir faire tout simplement les trucs plus simplement. Alors le mec, il est en train de dormir. Après, il va aller faire ça et ça. Donc manger. Après, on va aller prendre une douche. On va aller uriner ou autre, les amis. Je ne dirais pas. Et puis après, on va s'entraîner aux échecs, les amis. Comme ça, on va passer cette compétence assez rapidement, je pense. Comme ça sera tout simplement bien. Donc, je dois travailler aujourd'hui, ouais, à 21h, donc dans pas longtemps. Donc, je vais peut-être pas avoir le temps de faire tout ça, mais je le ferai après, c'est pas grave. Vous connaissez un peu la chose. Maintenant que vous me regardez, depuis le temps que vous me regardez, pour ceux qui me regardent, pour ceux qui me regardent pas, bah tout simplement, je vous dirais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, pour voir un peu tous les autres épisodes des Sims, pour voir aussi tous les nouveaux let's play que je fais et ceux que je vais faire. Donc en ce moment, tout simplement, je fais Final Fantasy HD remasterisé sur la PS Vita. Alors j'essaye de faire une très bonne qualité pour pas qu'on voit trop la Vita, tous les trucs qu'il y a autour, pour que ça soit assez propre de qualité. Je pense que c'est pas trop mal réussi pour le moment. J'essaye aussi de faire des Clash of Clans et puis du Minecraft, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez un peu tous ces jeux. J'en ferai sûrement d'autres, donc peut-être que les autres jeux vous plairont aussi. Je vais aussi vous inviter à aimer ma page Facebook, tout simplement pour voir toutes les vidéos qui sortent, tous les futurs projets aussi peut-être, et aussi à vous inviter à la page Twitch, puisque la page Facebook va vous dire aussi quand je serai sur la page Twitch, si tout simplement vous n'avez pas les notifications Twitch, hein, comme ça vous saurez tout simplement quand je fais un live Twitch. Donc je fais des live Twitch sur le PC et aussi sur la PS4. Donc voilà un peu tout pour la petite pub, l'auto-pub dans ma propre vidéo, les amis. Et ben il aura réussi à tout faire, hein, notre Sim. Il est bien ce Sim, il est bien. Hop, là on va voir comment que ça améliore, si ça améliore vraiment vite ou pas. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Alors attendez, à 30, hop là. Tu dois aller travailler, mon coco. On a une limousine maintenant, hein. On part en limousine, les amis. Alors, reviens ici là. On va le suivre parce que limousine blanche, tout à l'heure elle était noire. Non, c'est tout simplement la texture qui n'a pas apparu, hein, ne vous inquiétez pas. C'est normal, j'ai fait en sorte que le jeu ne lag moins, donc il y a un peu moins de qualité, mais bon, c'est pas grave. Hein. On n'en est pas à là. Alors on va travailler dur, on va voir un peu. Ouais, logique, il est pas content, mais c'est pas grave, on va retourner à notre maison. On va le laisser un peu lui faire ses trucs là. Et puis nous, on va après, quand il va rentrer, on va faire quoi? Ouais, je pense qu'on va pouvoir le faire apprendre. Encore les échecs, et après on va le faire ça. L'amusement, c'est un peu chiant, on va dire, mais hein, on va le faire prendre le petit déjeuner et ensuite. Une fois qu'il aura fait tout ça, non, on va le faire. Ah, j'ai gagné une petite promotion apparemment d'argent. On va voir ça juste après. Alors attendez, je fais la douche. Non, pas là-dedans. Je fais. On va le faire jouer. Alors attendez, c'est où? C'est là. Pour l'amusement, hein, tout simplement. Voilà. Donc ensuite. On descend. Alors, on va voir ce qui s'est passé là. Alors, j'ai gagné 2011 dollars aujourd'hui. C'est très très bien. Le travail acharné et les efforts fournis par Rome ont vraiment payé et méritent bien une augmentation permanente de 42 dollars. Bah voilà.
Vous voyez, je vous avais dit qu'on pourrait l'augmenter ça. Donc je suis à 471, c'est pas mal. Bon, ça c'est une petite augmentation. Le travail de covoiturage, de rhum, arrêt. Ah, la voiture, pardon, putain, le travail. Pourquoi j'ai dit le travail de covoiturage? Waouh. J'étais à fond dans mes pensées à mon avis, hein. Je dois vous dire que ça doit être ça, parce que... Alors, ça augmente Amibe. pas. Bon, je vois pas la différence flagrante Mark de Akatumi. l'augmentation Olaton. du niveau, mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça, c'est le charisme. Alors, amis actuels 1, nombre total d'amis exigés 0, relations actuelles 11. Nombre total de relations exigées 2. Ah oui, il faut des relations quand même, mais j'en ai 11, bon bah ça va. Alors attendez, on va peut-être s'entraîner à parler pour dominer le monde. Parce que j'aimerais faire bah, une autre orientation, tout simplement. On va peut-être quitter le truc et faire une autre orientation parce que bah, pour gagner plus vite de l'argent, c'est ce qu'il faut faire, hein, tout simplement. Et surtout que là, on a que 68 000 dollars, les amis, et il nous faut énormément plus. Donc je ferai quand même pas mal de vidéos en off pour tout simplement bah, nous faire avoir plus vite de l'argent et plus vite la maison, hein. Surtout en vidéo, hein, parce que moi je l'aurais pas plus vite, hein, je pense, mais bon. Donc voilà, tout simplement. On avance bien. Alors, ouais, avance, va plus vite quand même, parce que là c'est un peu long, c'est un peu long. Alors je vous avoue que j'ai vachement surkiffé Final Fantasy là, comme de toute façon c'est un de mes jeux préférés, hein, franchement je vous cache pas. Et dans le coup bah je vais faire pas mal de vidéos, donc vous allez avoir une vidéo sur un jour sur deux hein, de Final Fantasy. Donc un jour vous allez avoir Final Fantasy, après vous allez avoir par exemple des Sims, après vous allez réavoir Final Fantasy, après vous allez avoir du Clash of Clans par exemple, après encore du Final Fantasy, après du Minecraft et ainsi de suite. Donc voilà, on va faire ça comme ça. On va s'amuser sur ça vraiment parce que pas les Sims, non, je parlais de Final Fantasy. Donc Final Fantasy, ouais. C'est vraiment un jeu que je surkiffe. Et puis le 10 en remasterisé en HD, franchement, c'est un pur bonheur. C'est du plaisir sur Vita, c'est du plaisir. Donc voilà. Il a bientôt fini de dormir, notre ami. C'est pas mal. Allez, dépêche. Voilà, c'est bien. Alors, on va faire ça. Changer d'apparence. Bah, après, on va jouer. Ouais, donc ça, c'est bien. Accélère un peu ton rythme, ta cadence. Tout est bail. Alors, là il est vraiment content, là il est bien, et puis là il commence à être bien, donc c'est bien. C'est parfait. Alors, là on est en repos, je crois. Ouais, c'est encore mieux, les amis, c'est encore mieux. On est en repos, donc on va pouvoir bah, le faire s'améliorer un peu dans tout. Dans vraiment tout, 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 tout. Alors, on va le faire utiliser. Et puis après, on va le faire. S'entraîner à dominer le monde, tout simplement. Donc là, on va le faire jouer à fond. On va le faire jouer, 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 jusqu'à ce que ça augmente là. Et puis on va l'arrêter hein, de suite, les amis, quand il aura fini. Voilà, il a bien augmenté. On va le faire continuer. Et voilà, bon là, il va dominer le monde, les amis. Alors on va voir un peu. Ah, bah, il a bientôt fini ce truc. Saluer de façon amusante. Pas mal. On va le faire essayer d'aller niveau 5, ça serait pas mal, niveau 5. Après, tout dépend de la fin, d'énergie, enfin de... Bah, tout simplement de... des besoins. Hein. Ça se trouve, je vais pas pouvoir, mais bon. Pardon. Pardon, excusez-moi. Avda Degdo. Fulgag Jebsa. Ustwa? Horchru Pwevli Ganda. Last way. Hop là.
J'ai un peu toussé comme un gros porc, alors j'ai coupé le micro, c'est Wisner, pour ça qu'il y a eu un petit blanc. Vizna Abuzab, Puis je regarde aussi le temps, parce que j'ai l'impression qu'il se... Non, c'est bon. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit, les amis, je n'ai rien dit. Alors, il est niveau combien? Alors, Rhum Cyanure a atteint le plus haut niveau actuel de la compétence charisme. Rhum Cyanure a besoin d'au moins deux amis et au moins quatre relations pour progresser. Ah, d'accord. Bah écoute, écoute, Coco, tu vas monter et tu vas parler comme un cochon, discuter avec Patricia Blackdinton, je ne sais pas quoi là. On va lui parler comme un fou. Le mec, il va parler, il va plus en pouvoir quoi. J'aime bien, on voit la page genre MSN. C'est vraiment mortel. Je sais pas si vous le voyez vous, hein, mais honnêtement, moi je le vois. Et ça me fait bien rire. Hop là, tout simplement. Ouais, mais non, ça me plaît pas. Ah bah il le fait tout seul. Ah c'est marrant ça. Bah écoute, vas-y hein, parce que t'as envie de ronfler. Vas-y. Fais ce que je te dis, fais ce que je te dis. Hop, il va un peu bouffer comme un coquin. Fais-toi plaisir, un bon petit hamburger mon coco. Putain, il est déjà niveau 8. Ah, il en a fait plusieurs. C'était bon. J'étais bien rempli le bide. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux faire? Ah oui, le bricolage. Ah, peut-être la pêche. On va pêcher, les gars. Ouais, j'ai envie de pêcher. Eh, faut qu'on pêche du poisson. Ah oui, alors attendez. Parce que quand j'ai fait les petits épisodes, j'ai trouvé là, les petits épisodes en off, j'ai trouvé l'inventaire de famille, c'est ici. Et j'ai des putains de trucs à vendre. Vous voyez, 5,45. Donc je les ai gardés pour vous, pour pas que vous pensiez que je me suis gavé en thunes illégalement, en faisant des codes, par exemple. Vous voyez, 7 300, c'est magnifique. 12 000. Ça, bon, 20 000, je m'en fous, honnêtement, 900, et puis ça, 1 600. Donc vous voyez, on a déjà 90 000 hein, en faisant tout ça. Donc l'inventaire de famille est vraiment, c'est vraiment bien. On va continuer comme ça à se remplir les poches en volant. Ça va, je pense que ça va pouvoir m'augmenter vraiment pas mal. La thune. La thune, tout simplement. Eh, on arrive quand même à avoir des promotions alors qu'on a fini quoi, qu'on est niveau 10, hein. Vous voyez, niveau 10 dans la pègre, c'est le niveau final, je pense, hein, il me semble. Il me semble que c'est le niveau qu'on peut plus améliorer après. Ouais, la tchatche. Donc, amitié liée 2, sim connue 20, amitié exceptionnelle liée 0. Il me faut un ami supplémentaire. Alors, je vais voir un peu les amis que j'ai. Ça, c'est une amie. C'est ça, hein. Patricia Blinton, là, c'est une amie. Canoa Parrot, ouais, c'est un ami. Lui, c'est pas un ami? Si? Ah, je sais même pas, vous voyez. Ça, c'est un complice. Ça, c'est un ami. Ça, c'est une connaissance. Ok. Ok, donc là, les amis, c'est comme ça, et les connaissances, c'est comme ça. Vous voyez, comme quoi, bah, il faut, hein, tout simplement lui parler à elle, là. Puis à elle aussi, hein, on va lui parler, hein. On va parler aux deux, là, aux trois, là, comme ça sera bien. Bah, pour le moment, on va pas lui parler, on va aller se laver, on va aller faire un autre truc, on va pêcher du poisson, les amis. On va se faire plaisir, bien entendu. Ah putain, il est déjà pourri ça. Prends une assiette, on s'en fout. Mauvaise. Il est resté qu'une journée quand même, hein. Je veux pas dire, mais bon.
point que ça soit mauvais. On va manger et puis après. Non, 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 te prends pas le chou là, arrête de faire ton con. Pêche. En espérant qu'il va pas tomber malade le machin parce qu'il se prend un truc dégueulasse là. Nausée. Ram ne se sent pas très bien. Mieux vaut ne pas l'éloigner de la salle de bain. Ah, c'est marrant ça. Ah putain, il a des trucs, des fois il fait ça tout seul. C'est marrant. Ah là ! Ram est désormais de. Ah, il a envie de vomir. C'est pas grave. On va le faire repêcher après. Félicitations, Ram vient d'améliorer sa compétence. Hein. Ram est désormais de bonnes chances d'attraper de nouvelles espèces de poissons. Il sait désormais aussi utiliser un appât. Les appâts permettent d'attraper différents types de poissons. Essayez différents appâts ou procurez-vous des livres sur les appâts à la librairie pour découvrir quel appât attire quel poisson. L'appât sera parfois avalé par le poisson, alors assurez-vous d'en amener beaucoup. Poisson rouge. J'ai attrapé un poisson rouge. Vous voyez les amis, on va faire ça toute la journée. On va pêcher comme des gros porcs là, on va améliorer tout ça là. Le mec ça va être un pêcheur né. Logique hein, il nous faut un pêcheur dans l'équipe. Je crois que je peux les vendre en plus après, donc on va faire ça. Plus je vais avoir des gros poissons, vous voyez, valent au moins 5$. Ah c'est pas mal ça. Alors, utiliser. Après on va le faire. Manger des gaufres, c'est quelque chose qui ne change pas tout ça. Hein. Après, on va le faire dormir. Ah, bah c'est une gonzesse maintenant. Ouais. J'avais un mec au départ. Maintenant, c'est une gonzesse. Alors, discuter avec. C'était laquelle qu'il fallait que je discute. Je sais même plus. Vous voyez. Bah on va prendre elle, hein, de toute façon, il faut que tout ce que je me les fasse, donc. Hop. Honnêtement, je m'en fous. Ah, par contre, attendez, je dois aller travailler, je crois, aujourd'hui, hein. Ouais. Il est comment, mon humeur? Ouais, honnêtement, je m'en bats les couilles. Je suis patron. Je fais ce que je veux, je suis patron. Il a encore pêché un gros truc là. Ah, 10$. Ouais. Pas un, des trois. Ouais, bon, on s'en fout. Ouais. On s'en fout, l'ami. Hein. Vas-y. Fais vite. Là, on. Je suis sûr qu'il y a un truc à acheter qui me remet grave de l'énergie ou hein, une connerie comme ça. Je suis quasiment sûr. C'est ma chérie qui en est à l'origine, elle m'avait fait voir, donc c'est pour ça que je sais tout. Vas-y, tais-toi, va faire ça là. Voilà, très bien. Maintenant tu vas aller là-bas. Putain, t'es crevé. Mais qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il est parti là-bas pour prendre la voiture alors qu'elle était là? Bref, honnêtement, c'est pas grave, on s'en fout, c'est qui elle? Putain, comment elle est habillée? C'est celle qui habillait à côté de chez moi, il me semble. Alors. On va accélérer, on va conspirer avec les complices, hein, pour pas... voilà quoi. Parce qu'elle est crevée, donc j'augmente un peu, mais l'humeur va baisser à mon avis. En mission et en sortant du secteur, il a réussi à mettre de côté un petit quelque chose. Vous voyez, c'est quand j'ai ce truc, et ben je gagne tout simplement un objet à aller vendre. Donc là, c'est 55, c'est ce que j'ai gagné tout à l'heure là. Et vous voyez, j'ai gagné ça, donc c'est 1600, c'est pas mal. Et ça, c'est 7000 encore. Donc je gagne pas mal de thunes hein, avec ce métier. Chose que j'aime bien quand même. Ça va me permettre de tout simplement de d'améliorer tout ça et d'être vraiment au taquet et d'avoir une putain de villa de fou. Ah, j'ai encore un bip bip là.
Putain, 2336, je gagne en plus de l'argent que je me fais, que je mets de côté. Donc c'est bien quand même. Putain, je sais pas comment il a fait pour tenir debout, hein, les amis. Je vous avoue que d'habitude, il tombe de fatigue, les machins, mais là, non. Et ensuite, on va le faire encore discuter avec... Ah non, bah non, ça me sert à rien. Bah on va le faire pêcher encore. Le mec, ça va être le pêcheur, le meilleur pêcheur au monde. Ça va être le plus grand pêcheur de tous les temps, mon Sim. Il doit y avoir un métier comme ça, c'est obligé. On va aller regarder un peu. Y a pas un truc près de la mer là? Oh là, bon, ouais, y a rien du tout. Ah, y a pas de mer ici? Mais j'ai payé. Je demande de payer là, moi, c'est pas grave. Alors, Coco là. Si, y a ça là. Ah! Là, non? C'est quoi ça? La petite maison près du fleuve. Ouais, mais bon. Ouais, non, ça c'est une maison que je dois pouvoir acheter, je pense. Je pense, hein. Ouais, vous voyez. Alors attendez, on va visiter ma maison là. Villa? Rudy n'est pas là, comment ça? Il y a Rudy là, qui a pris ma putain de maison. Bâtard. C'est quoi le délire? Rudy n'est pas là, c'est quoi? Non, ça, je m'en fous, ça me sert à rien. C'est quoi ça? Entre des aventures. Devenir associé, 35 000 dollars. Et ça me fait quoi si je deviens associé? Ouais non, j'ai besoin de thunes avant. Avant de devenir associé, je sais pas ce que ça va me faire. Ça se trouve, ça va me faire de la merde. Rome a appris une chose sur... Eh, mesquine. Bon, vas-y, on va retourner voir Rome là. J'aime bien les textures n'apparaissent pas de suite. Par contre, l'écran, il a bien apparu. C'est marrant. Oh non! Mon ordinateur il a cassé, les amis! Non, 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 non! Pas grave, on va le réparer, hein. De toute façon, notre Sim, c'est un réparateur magistral. Il aurait pu faire ce métier aussi. Ah, il est devenu bon, hein, notre Sim, hein, depuis les épisodes, là, depuis tous les épisodes qu'on fait. Il est devenu quand même pas trop mauvais, hein. Faut avouer. Faut avouer. Il faut avouer. Ah, oh maintenant il se fait tout seul quoi. La truc elle me coûte 125 dollars pour rien à chaque fois maintenant. Hop, les toilettes. Et voilà! Putain, il y a un chat encore là. Allez, vas-y. Laissez renifler la main. Invité à entrer. Non, te barre pas, bâtard. Putain, je vais jamais réussir à en avoir un. Hein. Je vais jamais réussir à en avoir un. Bon, allez, vas-y. Putain, la galère. Hein. Le jeu a galère, les amis. Ah, voilà. Non, c'est moi qui avait galère en fait. Alors, on va pêcher en pleine nuit, comme ça, c'est logique. Ah, ouais, il fallait que je répare ça. Il fallait que je fasse. Maléfique. Un petit sommeil maléfique, les amis. J'ai encore pêché un poisson. Alors, ça, je peux les vendre direct là.
Ouais. On va les vendre de suite parce que sinon... Hop. 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 Et voilà, tout est vendu. Eh, là, on fait de l'argent dans cet épisode, les amis, hein, je veux pas dire, mais... c'est quoi tes besoins, mon coco, là? Vas-y, arrête de faire ça, tu vas réparer le machin. Ah, putain, des filaments au bord du mur, des trucs, là, des fois, c'est un peu galère. Hop. 11 dollars, magnifique. Vas-y. Bah vas-y, vas-y, va te coucher, c'est pas grave. Tu le répareras demain. Écoute, ne fais pas ta fine... ta petite bite. Vessie. Tchac, utiliser. Ensuite, hygiène, on va... non, ouais, vas-y, on nettoie, on s'en fout, on s'en fout. Hop. Ah bah vous voyez, ça a encore changé, c'est encore un nouveau gars là maintenant. C'était plus tout à l'heure, c'était une petite soubrette là, maintenant c'est. Floopsie. Oh. Vengeance. Ah, il se dépêche de dormir là, c'est bon. Coûte cher quand même, hein, le... L'homme à tout faire là. Tommy Michelli là. Tony Michelli. De Madame est servie. Il ferme ça avec le pied, le machin. Bon, on va passer ça. Hein. Voilà, on va pas rester pendant des heures comme ça. On va passer tout ça. Et puis, bah, on va faire encore une journée, les amis. Et puis après, je pense qu'on va aller, tout simplement. Bah arrêtez puisque ça fait quand même pas mal de temps. Donc là il va laver tout ça, il va faire tout ça. On va le faire pêcher encore. Hein. Ouais, c'est la journée pêche les amis. Hein. Autant se le dire. Je sais pas à chaque fois c'est qui m'appelle là, mais bon. Domestique polyvalent lol. 10 dollars, hein. Il peut pas me pêcher des poissons qui me donnent plus de thunes. Je sais pas, un requin ou une connerie comme ça quoi. Faut dire, Ah mince, à chaque fois je me gourre en plus, il faut juste que je fasse ça, ouais. Hop. Et ouais. Il fait tout ça, tout ça, tout ça. Oh, il m'a trouvé un nœud. Hein. 13. Ça s'augmente un peu le prix, hein, mine de rien. Je pense que quand il sera à un bon niveau... Ah là, déjà 15 dollars, vous voyez? Il est au niveau combien là de pêche? Il est qu'au niveau 4. Donc, vous voyez, c'est bien quand même. Plus il va être amélioré, plus il va me pêcher des poissons de fou, de fifou malade.
Et donc il va me donner plus de thunes. Simplement, ça c'est une chose que je faisais souvent avant. Sauf que je construisais des petits nains et ça me faisait énormément de thunes parce que ça me faisait 100, je crois, ou 150 dollars à chaque nain que je faisais, et les nains ils les faisaient à la vitesse de la lumière. Donc autant vous dire que j'avais facilement 15 000 $ en une journée. Voire plus, je me rappelle plus exactement, mais bon. Puis c'est pas mal d'améliorer les compétences de pêche, etc. Il a quoi là? Il va devoir aller aux toilettes, il va devoir aller manger. Hop, ça on va le laisser, il va bouffer des gaufres comme d'hab. On va le faire aller aller se dormir. Ah putain, il a toujours pas réparé ça. Merde. Bon bah une fois qu'il a fait tout ça les amis, je vais vous laisser. Je vais vous laisser de suite même, puisque vous allez voir qu'il va aller dormir. Bon bah les amis, sur ce, après de nombreuses pêches et de nombreuses ventes qui nous a fait gagner quand même pas mal d'argent, je vais vous laisser, je vais vous dire bonne soirée ou bonne journée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et puis à la prochaine les amis, allez salut.